Hé hey ! Va chier. On commande, on paie. J'ai dit... On dirait que vous attendez quelqu'un. J'ai le temps pour un petit verre. Shena. Mais appelez-moi Reyes. Je déteste les noms codes. Je m'attendais à quelqu'un de plus... Angara. La Résistance me paie pour lui fournir des informations. Entre autres choses. Vous faites de la contrebande. Votre homme, Ven Terev, a été arrêté par Sloane Kelly. La chef des insurgés. Ce qu'il a fait à la Moshae a fini par se savoir. Le peuple veut qu'il soit exécuté. Et Sloane, disons que c'est une femme du peuple. Je crois qu'elle me plaît déjà. Eh bien, elle ne vous aime pas. Parce qu'elle me connaît pas. Vous travaillez pour l'initiative. Sloane faisait partie de la révolte du Nexus. Je doute qu'elle abandonne Ven facilement. Il repartira avec moi, qu'elle le veuille ou non. On va bien s'entendre, tous les deux. Vous savez, il y a peut-être un autre moyen d'accéder à Ven. Occupez-vous de Sloane. Je vais voir la Résistance. Comment je vous contacte, si ça dégénère? Hey, c'est pas gratuit! Gardez la monnaie. J'y compte bien. Sam, parle-moi de Sloane Kelly. Avant de devenir chef de la sécurité sur le Nexus, Mademoiselle Kelly servait dans l'Alliance et jouissait d'une réputation quasi irréprochable. Quasi ? Elle a été impliquée dans plusieurs altercations avec d'autres officiers. Une tête brûlée. Génial. Pas d'entourloupe. Concentrez les défenses là et là. Les Kert se font bien trop discrets. Quoi ? Vous devez être Sloane Kelly. Je suis... Je sais qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qui amène un pionnier dans notre humble port ? Ven Terev. Ça vous dit quelque chose ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Franchement. J'ai besoin de lui pour infiltrer un vaisseau amiral Kert. Vous avez visiblement une dent contre les Kert. Je vous rends service. Kadara est un port Angara. Eux, ils veulent la peau de Ven. Et moi, je veux leur faire plaisir. C'est plus qu'une question de politique locale. Vous n'avez pas besoin de Ven. Juste de ses infos. Vous n'avez qu'à lui parler avant que je plante sa tête sur une pique. Ça devrait suffire. Vous voyez, on peut être civilisé. J'aurais dû apporter à boire.
Donnez aux pionniers l'accès aux cellules. Tout de suite. D'abord les règles. Pas le droit de nourrir le prisonnier. Pas le droit de toucher le prisonnier. Et pas le droit d'échanger quoi que ce soit avec le prisonnier, mis à part des mots. Compris ? Absolument. Je causerai pas d'ennui. Je n'ai presque plus de filtres. Vous voulez quoi ?